Allez, allez, le champi, le champi. Non, à ta mère de l'attitude. Eh ben oui, j'allais te le dire, l'ennemi qui sort de nulle part. Putain. Il est quand même super bizarre ce jeu. Tu penses pas que les développeurs ils ont pris de la... Mais qu'est-ce que tu branles depuis tout à l'heure? Aujourd'hui, nouveau format. Bienvenue dans Mini Melvo et Marshall. Quoi? Générique. Mais qu'est-ce que... Oh merde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format court. On va pouvoir parler de choses un peu plus légères qui ne peuvent pas faire un épisode complet. J'avais très envie de... Quoi? J'y crois pas une seule seconde. Pourquoi t'as fait ça en vrai? Oui, bon, d'accord. Je suis en train de déménager. Encore? Eh oui. Et donc, je n'ai que très peu de temps pour écrire et tourner. Mais c'est alors que cette idée de mini-émission m'est venue. Soit. Et donc, on va parler de quoi? Eh ben... Il a même pas réfléchi à un sujet. Si, si, on n'a qu'à parler de... nos races préférées. Ouais, allez. En plus, j'ai déjà une liste. Génial. Eh ben vas-y, commence si tu veux. Ok, numéro 1, les Asiatiques. Ils sont marrants avec leur... Ok, fausse bonne idée. Et si on parlait des classes plutôt? C'est vachement moins drôle, mais ok. Alors, voyons voir. Ah, c'est moi qui commence. L'érudit, une classe que l'on retrouve surtout dans la saga des Final Fantasy. Pas très puissant, il sert surtout à analyser les ennemis et à connaître leurs faiblesses. Il existe une classe similaire dans le jeu de rôle Pathfinder nommé l'Enquêteur. C'est d'ailleurs un personnage comme celui-ci que je joue dans ma campagne actuelle du jeu Exalté, que je vous présenterai sans doute un jour. Un érudit... Et pourquoi pas un joueur de flûte tantillé? Il fait quoi? Il tape avec des bouquins? Je vais te montrer, moi, une vraie classe, alliant agilité, élégance et vitesse. Le bretteur, que ce soit dans Donjons et Dragons, Fire Emblem ou encore Soul Calibur, il humilie ses ennemis en parant et en esquivant leurs assauts, pour ensuite faire pleuvoir la mort du bout de sa rapière. Et mourir d'une seule flèche parce qu'il a pas d'armure et qu'il est super fragile. Le style a un prix. Et en parlant de flèches, laissez-moi vous présenter le sniper. Un tireur d'élite pouvant atteindre sa cible à de très longues distances, parfois même sans se faire repérer. Idéal pour clairsemer les rangs ennemis avant même que la bataille ne commence. J'utilise beaucoup cette classe dans Valkyria Chronicles. Alors, tu la ramènes moins là? Un rat de bibliothèque et un planqué. Ah non, mais c'est sûr, hein, quand on n'est pas habitué, la guerre ça impressionne. J'imagine que tu as mieux à proposer. Mais tu sais, Melvo, dans la vie c'est manger ou être mangé. Une mécanique qu'a bien compris le mage bleu. Avec sa capacité à acquérir celle des monstres vaincus, il se place au-dessus de la nature, tel un super prédateur, fort et charismatique. Ah oui, tu veux dire comme ça? Oui, bon, il y a des exceptions à tout. Mais tu sais ce qu'il y a de mieux que de manger les monstres? Dompter les monstres! Mesdames et messieurs, l'invocateur! Ma classe préférée, l'incarnation de la phrase « il est trop nombreux ». Ah, quelle joie de jouer un Ozamodas avec tout son bestiaire et de submerger l'ennemi. Ou encore, la grisante sensation de puissance que l'on a dans Final Fantasy en invoquant de puissantes déités sur le champ de bataille. Pas mal, pas mal. J'aurais pu m'incliner devant tes montreurs d'ours si tu n'avais pas omis la classe qui éclipse toutes les autres. Combinant des bottes d'escrime à la grâce incomparable avec la connaissance des arcanes de la magie blanche et noire, le mage rouge de Final Fantasy impose sa polyvalence avec style. Aussi appelé art magicien dans Dragon Quest, il peut appliquer divers malus aux ennemis. Dommage qu'il n'existe que dans cette licence. Non, non, il y a une classe comme ça dans Donjons et Dragons. C'est vrai? Comment ça s'appelle? Un barde. Un barde? Un barde? C'est qui le joueur de flûte maintenant? Chier! Bref, c'était Mini, Melvo et Marshall. Et vous? Quelles sont vos classes préférées?
Salut tout le monde, alors première chose, nous avons atteint les 200. Un grand merci à vous tous, ça m'encourage vraiment à continuer. D'ailleurs j'espère que vous avez aimé ce petit format, et si oui j'en referai certainement d'autres, et pourquoi pas avec des sujets de votre choix. Mais surtout, nous serons toujours là pour de nouvelles aventures des mondes de Melbourne.